C'était il y a 30 ans, 30 ans jour pour jour, le 5 mai 1992, le drame de Furiani, la pire catastrophe du sport français, 19 morts et plus de 2300 blessés dans l'effondrement d'une tribune. Ce que vous entendez, c'est une vidéo tournée par un spectateur dans la tribune qui s'est effondrée ce 5 mai 1992. Pascal Olmeta devait jouer avec Marseille contre Bastia ce soir-là. Il témoigne sur RMC. On est dans les vestiaires quand on entend un bruit comme un mirage qui passait. Puis il y a quelqu'un qui met un grand coup de pied dans la porte et dit « catastrophe, catastrophe ». Tribune qui s'est effondrée. Moi, le premier, je cours parce que j'avais ma famille dans la tribune. Et puis quand je sors, ben, je vois que cette tribune a disparu, que les gens poussaient le grillage pour descendre sur la pelouse. Et puis là, tout s'enchaîne et ça n'a jamais quitté ces familles qui ont beaucoup souffert. Et nous, on était là, on n'y croyait pas. Et pourtant, la réalité, elle était là. C'était une catastrophe.